le CHU de Rouen entre dans l'ère de la chirurgie augmentée. Une chirurgie moderne associant l'ensemble des outils d'assistance, tels que le robot chirurgical et l'imagerie médicale. On a une grosse veine, on a une grosse bronche et trois artères. Et très souvent, voilà, et notamment il y a une toute petite artère ici. Et très souvent, il n'y a qu'une branche artérielle. Donc on passe du temps à aller chercher et à comprendre. Là on sait exactement ce qu'on va faire. Voilà, on va gagner du temps. Voilà. Depuis juin 2018, le service de chirurgie cardio-thoracique utilise une nouvelle génération de robots chirurgicaux. Cette technologie de pointe permet de réaliser plus aisément des interventions chirurgicales complexes et délicates. Aujourd'hui, le professeur Bast et son équipe accueillent un patient atteint d'un cancer du poumon pour une segmentectomie. La lésion, elle est là. Ce qui est en jaune, ce sont les marges de résection. Ce qu'on va enlever, c'est le segment ici. L'opération consiste à retirer la partie du poumon où est localisée la tumeur, tout en préservant la partie saine de l'organe, tout cela sans ouvrir le thorax. Le patient est allongé en dessous du robot, muni de quatre bras articulés, sur lesquels sont placés une caméra et les instruments chirurgicaux miniaturisés. À quelques mètres, le chirurgien est installé aux commandes de la console, lui permettant de voir l'intérieur du thorax du patient en 3D, et de piloter les bras articulés du robot. Cette nouvelle génération de robots chirurgicaux s'intègre dans une salle high-tech équipée d'écrans permettant à l'équipe opératoire de voir le scanner du patient, mais aussi une image agrandie de l'opération en temps réel. Autre atout de taille, l'imagerie de fluorescence. Cette nouvelle technique repose sur un principe simple. Un produit de contraste est perfusé au patient pendant l'intervention. Et en l'espace de quelques secondes seulement, les cellules cancéreuses sont mises en évidence en vert fluorescent sur l'écran pour guider l'ablation. C'est ce que l'on appelle la réalité augmentée. Cela permet aux chirurgiens d'être sûrs de retirer complètement la tumeur et de préserver au maximum la partie saine du poumon. Cette nouvelle ère de la chirurgie offre plus de confort pour le patient, comme notamment des cicatrices plus petites, une diminution des douleurs post-opératoires et une récupération plus rapide.